Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers parents, membres de la famille Sangaré, nous sommes ici au nom du RADP, qui est présidé, comme vous le savez, par le président Alassane Ouattara. Il nous envoie, désignant son jeune frère Mabi Pacus, pour conduire cette délégation et venir pleurer avec nous. Car la Côte d'Ivoire a perdu un grand fils. Le président Damien Sangaré est un grand citoyen, est un homme de conviction, un grand universitaire dont le parcours politique est connu et respecté. Au-delà de nos divergences, nous avons une foi et une force commune, l'amour pour notre patrie, pour notre pays. Et là où il est pour tous. Et il ne pense qu'une seule chose, l'amour entre ses frères et ses sœurs. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, et nos traditions sont une. C'est autour de la mort que nous nous rassemblons. C'est autour de la mort que nous faisons taire nos divergences. C'est autour de la mort que nous scellons de nouvelles alliances. Le chef d'État, le président Alassane Ouattara, nous a envoyé auprès de vous. Pour pleurer avec vous, pleurer son frère, vraiment Sangaré, et nous associer entièrement et pleinement à la souffrance et au deuil de la famille qui frappe la famille Sangaré, qui frappe le FPI, qui frappe la Côte d'Ivoire. C'est le message que le chef de l'État nous chargeait de dire, qu'il a confié au ministre Babri et qu'il m'a délégué de vous transmettre. C'est donc la première partie du message. Pleurez, consolez la famille, consolez la ville, les enfants, les frères et les sœurs, Madame la Présidente, et vous tous, frères et sœurs, ici rassemblés par le deuil. Voilà donc, chers frères, le premier message que le président m'a chargé de vous porter.